J'ai pu les récupérer grâce à vos efforts pour étendre le réseau chiral. C'est à propos de... à propos des bébés. Attention, soyons clairs, j'ai déniché ça de mon côté. Personne ne m'a demandé de creuser. Et si jamais on vous pose la question, mettez tout sur mon dos. Je ne veux surtout pas que ça vous retombe dessus. Vous m'écoutiez simplement radoter sur le réseau, c'est compris? Enfin bref. Apparemment, la technologie des bébés n'a pas été inventée par Bridges, mais par un groupe de séparatistes. Des terroristes opposés à l'expansion des UCA, d'après ce que j'ai trouvé. Ils ont commencé à les utiliser il y a environ 3 ans. Exactement au moment où Bridges 1 commençait à planifier son expédition dans l'Ouest. Ces séparatistes avaient, semble-t-il, eux aussi des problèmes avec les échoués. Et à l'époque, ils se sont dit que s'ils arrivaient à les localiser, ils pourraient les mettre sur notre chemin. Quand Bridges a eu vent de toutes ces manigances, ils ont décidé de combattre le mal par le mal. Dans cette optique, ils se sont servis des bébés comme contre-mesure. Il est tout à fait envisageable que le vôtre ait été mis en service dans ce but précis. Un fait que quelqu'un semble avoir essayé de cacher, à en juger par l'absence de rapport de service du bébé 28. J'ai toujours trouvé étrange qu'on soit si enclin à exploiter une technologie qu'on comprend à peine, et pour cause. Maintenant, on sait pourquoi. Depuis le début, on se contente de copier des méthodes et des techniques employées par d'autres. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ça concerne les premières expériences sur les brises-brouillards. Si on en croit le peu d'informations que j'ai pu réunir, il semblerait qu'elles aient débuté au même moment où le Death Stranding s'est produit. Elles avaient lieu sur l'île de Manhattan, sur la côte est des États-Unis de l'époque. Une île qui a été intégralement rayée de la carte suite à une énorme explosion, certainement une néantisation. À l'époque, le gouvernement américain approuvait entièrement ces expériences, il allait même jusqu'à les financer. Ce n'est qu'une théorie, mais, à mon avis, le programme Bébé a vu le jour dans un effort des équipes scientifiques pour faire toute la lumière sur la nature du Death Stranding. Bien que leurs intentions étaient louables pour des raisons d'éthique et de sécurité, l'opinion publique s'est fermement opposée au projet. Mais les chercheurs ont refusé de baisser les bras, et dans leur empressement de trouver des explications à la plus grande catastrophe de leur temps, je crois qu'ils en ont provoqué une autre. Un point non négligeable dans cette histoire, le président lui-même a été tué dans l'explosion. C'est seulement après sa mort, quand la vice-présidente Strand lui a succédé à la tête du pays, qu'un décret officiel a mis un point final à toutes ces expériences. Les documents ont été détruits, les installations abandonnées, et tout a été mis en œuvre pour faire croire que la technologie des bébés n'avait jamais vu le jour. Ce qui m'amène à me demander comment un groupe de séparatistes sortis de nulle part a pu déterrer cette technologie des dizaines d'années plus tard. Je vous fais signe si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. Sam, consultez le terminal et passez la liste de commandes en revue. Les habitants de la ville relais des montagnes ont un problème bien plus urgent à régler. Apparemment, une substance ressemblant à de la poix remonte du sol dans le coin. Les habitants en signalent de plus en plus un peu partout, et si on ne fait rien, elle atteindra la ville sous peu. D'ailleurs, des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose, sinon toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poids en un rien de temps. Il y a une commande du relais des montagnes. Vous trouverez tous les détails sur le terminal.
Cette arme à feu peut accueillir des balles hématiques. Et elle est munie d'un viseur point rouge. Précision garantie. Attention, Sam. Le boîtier de cette bombe antimatière n'a pas été conçu pour le transport sur de longues distances. Les pièges magnétiques qui isolent l'antimatière sont très fragiles. Un impact puissant, une conduite brutale, un transporteur mal équilibré, autant de raisons qui pourraient faire céder les pièges. La moindre anomalie détectée dans le boîtier devrait déclencher une alarme. Si elle sonne, c'est que vous vous y prenez mal. Et si la bombe explose, on aura une catastrophe sur les bras. Du genre dont on ne se remet jamais. Thank you.
aussi. Thank you.
De l'évaluation de performance. Le réseau que vous vous évertuez à étendre transporte de belles saletés. Le genre de truc que tout le monde fuit à toutes jambes. Vous l'avez toujours pas compris depuis tout ce temps? On n'en veut pas, nous, de votre réseau chiral. Et on veut pas des UCA non plus. Cette voix, c'est vous, maman? Hein, vous avez pris un coup sur la tête? Je suis pas votre mère, et de toute façon, on peut pas dire que vous en ayez une. Bon, ça va. Assez rigolé, maman. Je crois qu'on s'est pas bien compris, vous et moi. Les habitants de la ville relais des montagnes vous disent à vous et aux UCA d'aller vous faire voir ailleurs. Si vous continuez ce que vous avez commencé à faire, vous allez tous nous remettre en route pour un Death Stranding. On vous a pas demandé de venir jusqu'ici nous dire comment mener notre vie.
On en décidera nous-mêmes, si ça vous dérange pas trop. Tout ce qu'on attend de vous, c'est une livraison de marchandises de temps en temps. Rien de plus, rien de moins. Alors vous parlez pour toute la ville? Tout à fait. C'est moi la responsable. Mon nom est Lochner. Lochner? Attendez, il faut que je vous parle. Vous êtes technicienne, c'est ça? Écoutez, rentrez chez vous et ne revenez plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Eh ben nous, on n'en a pas besoin de la vôtre, Bridges. Tout ce que vous faites, c'est empirer les choses. Désolé que vous ayez dû subir ça, Sam. C'est elle la patronne dans le coin. Et elle n'a pas peur de dicter sa loi. On a besoin de les intégrer, elle et les siens. On a déjà perdu beaucoup trop de gens comme ça. Si on ne connecte pas la ville relais des montagnes, le réseau Kiral et les UCA ne seront jamais achevés. Et maintenant? Eh bien, en fait... Sam, Lochner est la sœur jumelle de Mama. Ex-Bridges 1. Elle est allée dans l'Ouest avec les autres. Deuxième groupe, tout comme Mama. Mama n'est pas son vrai nom, évidemment. En fait, c'est Malingen. Elles ont toutes les deux le Dooms et sont toutes deux des scientifiques de génie. Le domaine d'expertise principal de Mama est la physique appliquée. Celui de Lochner, la physique théorique. Mama est celle qui a conçu le hardware du Cupidon, et Lochner, son software. Elle disait pouvoir communiquer à n'importe quelle distance. Qu'un lien particulier le leur permettait. J'ignore comment c'est possible, mais il y a une chose dont je suis sûr. Sans elles, le réseau Kiral n'aurait jamais vu le jour. Elles étaient si proches que certains disaient qu'il s'agissait d'une seule personne dans deux corps différents. C'est peut-être ça qui leur a permis de développer le Cupidon. Mais après l'accident de Malingen, elles se sont disputées. Lochner a quitté Bridges et a coupé tout contact avec nous. J'ignore ce qui s'est passé entre elles. Mais si on n'arrive pas à retrouver Lochner au plus vite, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique pour de bon. Je ne veux pas vous demander de mettre le nez dans leurs affaires, c'est personnel. Mais peut-être que ça nous permettrait de trouver un moyen de convaincre Lochner de nous rejoindre. Ce qui serait fantastique. Parce que sans elle, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique. En attendant, si jamais il vous vient une idée de génie, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Au travail.
Quelqu'un ?
scan de l'identifiant budget. Identifiant Fragile Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Accès autorisé. Bien. Thank you.
Ça, c'est pour toi. Merci pour le coup de main. Thank you.
Tiens, Sam. Vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délieur. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... boum! Ça explose. Mais... comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échouer. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupent cordon, c'est pas mal. Il faut faire un test.
couper le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai ? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et l'ocneu a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein ? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de genre, je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir, de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé. On a pris un des ovules de l'ocneu et on l'a fécondé avec le sperme congelé du cas. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. Locke ne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. Sam, vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière... la caresse du vent, le parfum du monde. Mmh.
reliés tous les deux. C'est parti, Sam. En route. Merde! J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Tenez-vous prêt, Sam. Ouh, on dirait qu'il a faim.
Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que... Thank you.
Thank you.
Un pont s'est littéralement effondré sur l'hôpital dans lequel j'étais. J'entends encore des cauchemars. J'entends encore le craquement avant que tout s'écroule. Et puis ce jour-là, j'ai une peur bleue des coups. Je sais, c'est pas une phobie très pratique, mais est-ce qu'il y a des phobies qui me sont? J'ai aussi peur du noir, vous savez. J'arrive pas à dormir. Impossible. Et quelqu'un !
Bon. Don't.
pouvais le faire. Bienvenue, Sam Porter Bridges.